The International Service for Human Rights. Mm. Merci, Monsieur le Président, de me passer la parole. Monsieur le rapporteur spécial, Monsieur le Président, honorable commissaire, état Partie, chers délégués, merci, Monsieur le rapporteur, pour la présentation de votre rapport. Pour que le système africain des droits humains fonctionne au mieux de ses capacités, les défenseurs des droits humains doivent être en mesure de partager des opinions et informations cruciales concernant les situations sur le terrain. Cependant, de nombreux défenseurs ne sont pas en mesure de coopérer en toute sécurité avec le système africain des droits humains. Nous félicitons le rapporteur spécial pour le lancement lors de la 65e session de la note d'orientation et d'information sur les représailles en Afrique. Nous attendons avec impatience la présentation du rapport lors de la 68e session ordinaire et encourageons toutes les parties prenantes à s'engager de manière constructive avec le mandat. La Commission et les États doivent faire davantage pour prévenir et garantir les intimidations et les représailles contre ceux qui coopèrent ou cherchent à coopérer avec le système africain des droits humains. Monsieur le rapporteur, les défenseurs ont été en première ligne de la réponse à la pandémie de COVID-19 en Afrique. Ils ont fourni des services vitaux. Partager des informations primordiales et coordonner les actions nécessaires au renforcement de la redevabilité et à la recherche de résultats mieux adaptés des politiques. Et pourtant, dans plusieurs pays, la pandémie a été instrumentalisée pour légitimer un large éventail de restrictions injustifiées aux libertés civiques et, dans certains cas, pour empêcher délibérément la société civile de planifier et de mettre en œuvre ses activités. Il s'agit notamment des niveaux de censure sans précédent, des attaques contre les journalistes et les défenseurs des droits humains, des violences par les forces de police pour limiter les critiques, ainsi que les violations généralisées du droit à la vie privée. Il est important que les gouvernements reconnaissent qu'une société civile diversifiée, dynamique et résiliente est plus que jamais nécessaire pour garantir que les mesures d'urgence passe le test de la proportionnalité et de la nécessité. Enfin, International Service for Human Rights mène actuellement une étude sur l'impact sur la société civile des mesures prises pour combattre le COVID-19 dans trois pays d'Afrique que sont la Côte d'Ivoire, le Niger et la Sierra Leone. Cette étude démontre notamment une recrudescence de l'interdiction des rassemblements des restrictions à la liberté de circulation ou encore la censure entre avant la liberté d'expression. Ce rapport vous sera transmis et nous en appelons à votre mandat de porter une attention particulière aux restrictions accrues auxquelles font face les défenseurs pour mener à bien leur travail durant mm -hmm. cette crise. Je vous remercie.